Pour moi, être innovant, c'est apporter quelque chose de nouveau pour répondre à un besoin. C'est aussi être créatif dans toutes les tâches qu'on a au quotidien, apporter des petites solutions qui vont nous faciliter la vie. Après le lycée, j'ai fait 2 ans de prépa scientifique à Toulouse. J'ai ensuite intégré à l'école d'ingénieurs de Supélec. Et ensuite, j'ai fait ma troisième année en double diplôme à l'université de KTH à Stockholm. J'ai choisi l'école de Supélec parce que la composante énergie m'intéressait tout particulièrement. Je trouvais intéressant de me spécialiser dans le domaine de l'énergie parce que pour moi, c'est un secteur d'avenir, un secteur innovant, un secteur où il faut être innovant afin de pouvoir produire, de pouvoir stocker de nouvelles énergies pour répondre aux besoins futurs. Récemment, j'ai lu la biographie d'Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX, qui pour moi est un vrai innovateur. Lorsque Elon Musk s'est lancé dans ses 2 aventures, personne n'y croyait. Et après quelques années, tout le monde s'accorde à dire que ça a vraiment été un succès. Je trouve que chez Blue Energy Service, je peux vraiment innover. Je travaille sur le projet Alizé, qui est une offre relative aux bornes de recharge pour véhicules électriques. On met en place une plateforme de supervision qui permet de monitorer en temps réel l'ensemble des bornes que l'on a installées. Avec ce volet supervision, il y a un volet client aussi, une partie client, parce qu'on développe à la fois un site web, une application smartphone, qui vont permettre aux usagers de se charger sur les bornes de recharge. Je suis innovant et je travaille chez Bouygues Construction.